messieurs. Bah, il arrive en courant, sympathique ça. Bonjour. Bonjour monsieur Volka, comment allez-vous? Ça va et vous? Bah très bien, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, j'ai vu votre message. Oui, bah je voulais me renseigner par rapport à une plainte que j'avais mise. Ah oui. Alors pour l'instant moi je n'ai aucune information à ce sujet, je suis le seul policier en ville donc Sympathique, bah, voilà. Merci de me donner cette information, je vais aller braquer des banques là. Bah non. Ah oui? Ah. Ah bah non, oui, c'est vrai, non. Oui. Bon. Parce que ça fait quand même quelques jours là déjà. J'avais déjà posé une première plainte avec monsieur Nas là. Par rapport à un tuyau là. Ça a duré longtemps, hein. Ça fait plus d'une semaine bientôt, je pense. Encore rien. Et là, je repose une plainte, encore rien. Mais vous foutez quoi, vous? J'ai l'impression qu'ils sont bons à replier des dossiers en fait. Oui, bon. Vous voulez faire un château écoutez... avec les dossiers? Parce que moi, je peux vous aider sinon, hein. Je suis un bon designer. Non, non, mais c'est juste que pour l'instant, on ne sait pas qui est sur la... s'il y a une enquête de lancer ou pas. Voilà. Ah bah super. Après 3 jours de dossier, comprenez que l'état-major n'était pas là du week-end, donc pour l'instant, je pense pas. En plus, c'est une enquête qui peut aller très très vite. J'ai donné son nom, son numéro de téléphone. Son nom? Non, c'est pas son nom. Oui, son nom, non, mais son numéro de téléphone. Oui, ça... bah oui, ouais. Bah attendez, une convocation à la police, c'est très rapide, je comprends pas. Bah, après, voilà, le problème, c'est que vous avez, comme vous avez, ça a été fait avant-hier, donc vendredi, et puis le... Ça, c'est madame 19 qui m'a pris, c'est comme une grande dame. C'est pas du tout elle. Non, c'est le sergent 20. Oh voilà, m'emmêle les pinceaux. Ouais, non, mais c'est pas grave. Après, c'était vendredi, l'état-major n'était pas là du week-end. Oui. Pour l'instant, ils sont pas du... Ça passe par eux? Ah bah, par le commandant, oui. C'est normal. Moi, je sais pas, je croyais que les officiers pouvaient quand même envoyer un petit message à la personne, quoi. Vous avez pas des OPJ, quoi? Pas des enquêteurs, ouais. Alors, des enquêteurs, si, mais c'est l'état-major qui s'occupe après de... C'est quoi son nom? Au commandant? Non, à l'enquêteur. Bah en fait, ça dépend, c'est les officiers, ils ont leur formation enquêteur ou pas, et après c'est les commandants qui décident s'ils les mettent sur une enquête ou pas, en fait. D'accord, bien joué, bonne réponse. Ok. Bonjour. 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 Et ouais. Bah ouais, vous voyez que c'est pas ça. Il n'y a pas de souci, alors je vais repasser ce soir. Oui, bah normalement, je pense que les commandants seront là ce soir. Est-ce que ça serait gentil, d'une gentillesse, attention, de m'envoyer un message? Ah oui, il n'y a aucun souci, je vous envoie un message dès qu'il y a un commandant. Sympathique, vous avez mon numéro? Bah, de toute façon, vous nous avez envoyé un message avec votre numéro. Oui, bah vous l'avez, du coup. Oui, sympathique. Il y a pas de candidature. Bah, alors on fait ça. Très bien. Allez, très gentil personnage. Allez, au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Au revoir. Secrétaire? Ici quoi, moi je vais secrétaire pas, je vais sur votre intervention. Tu l'as entendu l'autre petit là? Il demandait d'être la secrétaire pour les flics. Il voulait c'est qui lui? Je sais pas. Ah mais je l'avais pas fermé. Bah, de toute façon, qui c'est qui volerait une voiture devant le poste? Personne. Ah oui, bah on sait jamais, il y a des voyous partout, moi. Ouais. Du coup, t'as une moto? Non, en fait, non, je me suis trompé, j'ai mal lu. C'est qu'en fait, il avait fait une vente, il me l'a rétribué à moi, en fait. Donc c'est moi qui ai eu le bonus. C'est pas plus mal, parce que la moto, je n'aurais jamais voulu, elle est moche. J'en ai revendu. Ah, Baptiste, elle a fait une vente, il te l'a donné à toi. C'est ça. Hein. Ouais, t'as donné son pourcentage. C'est ça. Bah, tu sais quoi? Je vois plus la cahier de vente. Ah bon? Je crois qu'il l'a bloqué. Ouais, ouais, il a fait. Il a dû le vider. Non, le bloquer, je vois plus le... Non, mais il va le dupliquer. Il va le bloquer, le dupliquer, oui, et en revient. Et oui. Pour clean un peu, parce qu'il y en a trop là. Moi, c'est ce que je ferai à sa place. Chaque semaine, je ferai un nouveau cahier de vente. Comme ça, t'es à jour. Et tu déportes toutes les ventes qu'on peut être livrées. Intéressant, on fait la course. C'est ma voiture quand même, hein.
Tu as peur de ma conduite? Bah, tu niques mon essence. Bah, je t'en remets de l'essence s'il faut. Et mes freins, tu les payes mes pneus? Ah bah après. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va se balader dans le nord. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. On va passer par une station d'essence, on va aller faire un tour. Je vais pas faire des tatouages. Ouais, déjà. Hein. Ah oui. Ah, j'y suis déjà allé, tu veux y aller? Non, c'est bon. C'est bon, c'est du jus pour toi. Ah bah merci. Bah oui. Non, non, j'en ai un, ça me suffit, discret. Ce que j'irais bien faire, c'est des tenues de plage, tout comme ça. Oui. J'ai aucune tenue de plage. Déjà, on va mettre de l'essence pour commencer. Est-ce que j'ai un billet sur moi? Non, je vais en chercher un. Tu veux par ta carte? Je peux pas. Bah alors viens, intérieur là. Faut que je retire 100 balles et que je... Moi j'ai jamais retiré. Pourquoi tu bousilles la moto? Pas fait esprit. J'arrive pas à relever trop lourd. Bah tant pis, hein. Je suis désolé, monsieur. Putain, ton plein il coûte cher, toi. Ah bon? Ah ouais, ouais, c'est 80 balles. Bah oui, normal, j'étais à 20%. Attends, je reviens, je vais retirer. Aller faire des tenues vite fait. D'accord. Elle t'aime pas du tout. Non, c'est que j'aurais pas dû essayer de rentrer avant toi. Tu dois avoir une reconnaissance d'empreinte en fait sur le volant, sur les poignets. Si le propriétaire ne rentre pas en premier, du coup on peut pas rentrer. Eh oui. C'est bien, c'est pratique. Bah avec le prix qu'elle coûte, encore heureux que ça. M'étonne. Allez, direction le magasin. Quelques tenues là. On va nous passer le temps. Oublie pas de verrouiller. Hein. Merde, c'est où ça? C'est là-bas. Oublie pas de verrouiller ta voiture. Oui, oui. T'as ma grognasse derrière. J'avais pas vu ça comme ça. Vous êtes une parisienne. Sûrement.